je voulais être Maria Callas, moi je voulais être genre grande chanteuse d'opéra parce qu'elle est tellement dramatique, tout est tellement grandiose. C'est pas, il y a quelque chose de juste plus grand que la vie. Je la trouve géniale. J'ai trouvé une autre façon de pouvoir exprimer un autre monde, un monde imaginé, un monde un peu merveilleux. Donc en fait, j'emmène un peu le théâtre dans ce que je fais en faisant mes bijoux, ça me va. Ça commence vraiment par une pulsion où un truc m'amuse et j'adore, il faut ça maintenant et pourquoi ça n'existe pas et il faut le créer. J'utilise beaucoup de pierres de couleur, j'adore le rose. J'ai vraiment grandi avec cette image très, très sophistiquée, très habillée de la femme qui porte beaucoup de bijoux et ça me faisait rêver. Dans les années 80, vraiment les femmes, elles y allaient quoi, avec les grands brushings, les bijoux. Mais j'essaye de recréer ça mais d'une façon accessible. En fait, le sac, c'est quand même assez important, c'est un objet comme ça qui... Ça peut gâcher tout le truc, quoi, si c'est pas bien. Et en même temps, ça peut faire tout un look si c'est ce qu'il faut. Donc, c'est juste de trouver la bonne mesure et la bonne taille de sac. Le plus petit, le mieux. Je finis toujours par... Ever. On parle du mot anglais ? L'infini ? Fever. Ever fever. Fever. There you go.